Salut les amis, aujourd'hui on va se retrouver sur les hauteurs de Puget pour une super sortie. Il va y avoir du single, des belles descentes et surtout encore une super équipe, on va se régaler. Allez, à tout de suite en vidéo. On est en train d'aller chercher là la première montée. Le terrain il est un petit peu détrempé, là ça colle un peu. Un kilomètre qu'on roule et déjà bien essoufflé. On a de suite une belle vue. C'est pas agréable de commencer une sortie comme ça, sans déconner. Super. Celle-là, elle a pique sévère. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ah, il m'a manqué un petit peu. Allez, ça continue en patte. J'ai jamais réussi à la faire entière celle-là sur le vélo. C'est bien ça. Bien monté, c'est bon. Bon, on est où là? On est à Saint-Philomène. Saint-Philomène, ouais. Allez, on va aller voir ça. Regardez. Voilà. Donc Saint-Philomène, l'église. Regardez-moi comme c'est joli. Ça vaut bien de cracher un poumon. Est-ce que je vous ai dit aujourd'hui que j'étais un homme chanceux? Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'ai la chance de rouler avec la copie chinoise de McBrick. Il est là. C'est notre star à nous de notre club. Vous allez voir, je vous mets la petite photo sur le côté là. Star national. Je suis démasqué. Voilà. Maverick. Voilà, pour les autographes, on peut s'arranger, on verra. On continue par la route là. Plutôt que le petit single, parce que la dernière fois, j'en ai tout simplement fait les deux tiers à pied. Donc, il n'y a pas grande utilité autant monter sur le vélo par la route plutôt que de le pousser. Enfin, je pense. Hein. Allez, on est reparti à se faire brûler les cuisses. Putain, les amis, ça va monter un long moment. Pas gagné l'histoire. Avant qu'on chope la première descente, ça va piquer sévère. Allez, ça continue à dérouler tranquillement. J'ai préféré pas attendre ceux de derrière. Continuer tranquillement tout seul parce que j'ai le dos qui commence à faire attirer vachement. Là. On a à peine fait 4 bornes et 250 mètres de dénivelé. Alors, je veux pas qu'ils se refroidissent trop. Donc, on va rester le temps que ça passe le plus en mouvement possible. Allez, ça descend mouille. Enfin, ça descend. C'est à profit de descendre tranquillement. Hein. On fait un petit peu la banane parce que ça va remonter sévère juste après ça. Et pire, le son glissante, je te dis pas. J'ai du mal à tenir le vélo. Apparemment, on est obligé de partir sur la gauche. Il n'y a plus qu'à prier là maintenant. Et puis voilà. Ça va être dur. Ça va être très dur cette sortie. Pour mes coups de cul passés, là, ça rase. J'ai oublié de la ceinture cardio, je pense que j'ai bien fait. Je dois être à 200 quoi. Oh l'enfoiré! Ouh! Elle a fait mal celle-là. Et c'est que le début. C'est pas fini. Allez, ben, toujours dedans. Je faisais le beau là. La semaine dernière, faire ma DFCI. Là. Ouais, ça va tout seul, machin.
Et là, ben, on rentre dans du plus cardio là. Tu peux pas garder ton rythme constant. Du coup, ça pique sévère. Je le fais. Je ferme les yeux, j'essaye de penser à autre chose que je fais pas là-dedans. Ça aide à monter du coup. Tranquillement. Et on grimpe par étapes. Elle est toujours pas en haut. Et ça monte toujours autant. Oh, la fatigue fait faire un petit peu de l'erreur. Ouais, c'est reparti. On va pas en faire à pied. On s'accroche jusqu'au bout. Bon, on est arrivé à une partie intermédiaire de la montée. Malheureusement, c'est pas fini. Je sais pas combien de minutes de vidéo, mais j'avais dit que ça allait monter avant de choper les premières descentes, c'est le cas. On a 8 bornes, 450 mètres de dénivelé. Ça pique un peu là. Ça pique sévère, mais ça s'est tout fait sur le vélo pour le moment. Par contre, la deuxième partie qui arrive, là, ça m'étonnerait, ça va pousser. Allez! Allez, ils descendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent. Oh, c'est des avions de chasse! Bon, ils m'ont dit d'enchaîner 10 crétos. Peut-être que ça va pas se voir. Peut-être que ça va pas se voir. Hein. Bon, allez, j'enchaîne. Hein. Tu vas te dégoûter, après tu vas monter sur le tien. C'est pas faux. Il m'a crevé. Maintenant, pendant les sorties, vu qu'ils sont passés à 4 électriques, on est obligé de suivre les lignes à haute tension pour qu'ils puissent recharger quand ils en ont besoin. Donc quand on planifie la sortie, ben, on regarde où elle passe. Allez, on y est là. Voilà. Hop. Oh, joli. Oh, la même. Non, celui-là il glisse. Hein. Bon ben voilà. Mes limites sans t'atteinte. Ah. On a essayé, hein. On n'est pas allé bien loin. Allez, go, go, go! Même en électrique, c'est compliqué. Même en électrique, c'est compliqué. Allez, on est en haut. T'étais où? Tu m'as attendu? J'étais loin en bas. C'est bien, chef. On l'a mérité celle-là. On l'a mérité. Maintenant ça va descendre un peu. Allez, bah, tout ce qu'on vient de se monter à pied, on se le refait. En descente, là c'était juste pour le point de vue en fait. Il va falloir faire gaffe parce que vous avez vu que c'est une patinoire en montée. Du coup, il va falloir faire très attention. Ouh ! Ah, c'est là. Ah, ça devient une vraie patinoire. Ouh ! Le plus droit possible. Allez, c'est fini. Ouf. Ouais, c'est... Ouh, celle-là est tendue du string. Ah, elle me fait mal celle-là, pas bonne. Oh putain, deuxième partie. Ah, ici on est en montée par contre. Attends, je suis aussi en descente hein, parce que c'est technique. Garde la vitesse. Attends, je vais te laisser passer. Je te laisse passer. Ma couille. Vas-y. Merci.
Je suis obligé parce que sinon il va me stresser tout le long le bâtard. Regarde le trou qu'il m'a déjà mis. Et les moniteurs en VTT, bonjour. Il y en a encore une dizaine derrière. Il est moniteur en VTT, mais il n'avait jamais voulu se pencher sur mon cas. Il m'a dit que c'était pas la peine. Il y avait trop à faire. Alors, s'il y en a un qui veut relever le défi, hein. Ouh. Racine là, sa mère. Les caillasses qui roulent, je n'en laisse pas mou. Ouh, trop, pas assez de vitesse là. Et arriver à garder de la vitesse là-dedans. C'est là le problème, là, le problème. Le cerveau, il n'a pas trop envie. Enfin le mien du moins. Parce que toutes les pierres elles roulent. Ah. Ça y est, les crampes aux cuisses, tellement que je suis crispé, je crois que là, c'est par là qu'on va. Ah, je préfère ce genre de... Ouh, j'ai failli passer par devant. Voilà. Oh, tant pis, on verra bien. Je crois que c'est par là qu'on va. J'ai attendu personne comme un glandu. C'est pas par là, ben. Tant pis. Heureusement qu'elle est sèche là. C'est par là. Loupé. Oh, la fatigue se fait un peu sentir, le stress surtout. Ah là, elle est bonne. Je crois que c'est la serre fesses, je sais plus. J'en sais rien. Ah. Alors là, c'est un truc casse-gueule. Tu vois, quand t'as les racines de tremper, là, c'est même pas essayer, la peine d'essayer de passer la roue avant. Allez. Ça passe, hein. T'as vu, les amis? Je me sors les doigts du cul quand même. Sauve. Celle-là, elle était bonne. J'ai encore mal dans les avant-bras et dans les mollets. Dur, dur, hein. J'ai essayé de me lâcher le plus que je pouvais. Bon, je vois personne arriver. Du coup, je sais pas si je me suis pas trompé et qu'il fallait pas s'arrêter à l'embranchement d'en haut. Du coup, ben, je me retape tout à pied. On va essayer de voir si je les chope ici en descente et si je suis là sur la bonne, alors je récupérerai pour rentrer par où je connais. C'est qu'ils m'ont abandonné. Elle est vraiment cool. Elle est bien ça là. Ah ouais, carrément. Super belle celle-là. Ah, elle est là. En Maroc. Yeah, man. Allez, j'ai retrouvé les copains. Donc j'étais sur la bonne. On est pas mal. Qu'est-ce que je fais? Je la tente ou je la tente pas? Je descends. Hop. En fait, il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait un saut, mais en fait, non, ça glisse tout ça. Ouh. Oh la dalle. Elle glisse sa race. Ouh.
Ouh, faut plus freiner là. Bon ben on se tape un petit morceau de route hein, cela. Mais qu'on ne devait pas descendre par où on est descendu. Et il faut qu'on se trouve un petit chemin là pour remonter en haut de la baie. Allez, on a rejoint le JR9. Si on ne se trompe pas, il devrait nous remonter tout en haut du plateau jusqu'à la citerne. Donc ça va encore monter un très long moment. En plus, la fin, là, ça va être une boucherie. Et après, on devrait prendre une belle descente qui nous ramène presque au point de départ, je crois, si j'ai bien suivi. Allez, petit point de vue avant de prendre la foudre. On a vu le petit poney, le poney. Ou alors je monte en poney, je sais pas, je suis en train de me tâter. Le poney nous attend. Et après, il faut partir là-haut. Là. Le poney, c'est l'emblème de la foudre. Allez, on le fait l'effort. Je vous promets pas que je la monte entièrement sur le vélo. Mais on va faire l'effort le plus loin possible. Est-ce que vous la sentez, les amis, l'odeur? L'odeur de la victoire, c'est gagné. C'est fait sur le vélo. Ah putain, je suis content. Vraiment heureux. C'est gagné. Un bon pétard. Ça envoie du pâté. Là. On a réussi à faire sur le vélo, mais dur. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. On n'a pas de mérite. C'est gagné. Bien mon poulet. Et c'est parti. Ouh, alors là, il va falloir faire gaffe parce que c'est mouillé. Je suis très fatigué aussi. Oh. Oh, et c'est là qu'on fait les erreurs en général. Oh putain. Oh mais qu'elle est belle aussi celle-là. Enfin, celle-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Ça doit faire hein, 7 ans. Putain, tu étais au tout départ que je faisais du VTT, j'avais fait ça. J'ai un souvenir de passage en Devers un petit peu compliqué, je sais plus. Je sais pas. En tout cas, ça reste que de la belle descente là aussi. Putain, je vous gâte en ce moment sur les vidéos avec les descentes. Je sais pas si ça vous donne envie de rouler, mais à l'occasion, peut-être un de ces quatre, il faudrait qu'on se fasse une petite sortie avec vous pour que je lui fasse découvrir. Un petit peu ce que vous avez envie quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Et voilà, on est dans les bouchons là de suite. Je leur montre que VTT Attitude y passe ou pas. Alors par pudeur, pour pas les frustrer, je passerai pas. Mais voilà, c'est uniquement par pudeur. Hein. Je suis comme ça moi. Je veux frustrer personne. Ce qui me semblait, ça repédale en plein milieu. Chier. Voilà les amis, la mer au fond. Il fait beau, putain, génial encore. La partie tendue, c'est celle-là. Parce que c'est légèrement de verre en plus. Je m'en rappelle. Fait ça, normalement ça devrait gazer. Ça reste encore un régal. Je parle un petit peu moins parce que ça glisse vachement là. Je me suis centré.
un peu de travail d'équilibriste. Mais pas comme cette pentueuse. Et en plus, il y a des petites racines qui sortent par endroits. Les enfants, elle est fatigante celle-là. Pourquoi? Ah, c'est des verres de merde. Allez, comme on est bien monté longtemps, mais on a de la chance, on descend beaucoup maintenant. On va avoir pratiquement plus de la descente jusqu'à la fin. Alors celle-là, ça fait un moment aussi qu'on n'a pas prise. Alors je sais pas si elle est praticable, on va voir. Par contre, si elle l'est, elle était sympa. Putain de caillasse au rond là. En sous-bois là, c'est pas beau. Aïe, j'ai tapé le pied dans un rocher. Oh putain! Oh, c'est fer de. J'ai... Comme t'as fait haut, j'ai regardé pour voir si t'étais pas tombé. Ça m'a empiré la chose. Oh quoi! J'ai fait une grosse merde, tout à l'heure je fais tomber mon copain. Je me suis tanké comme un chacal. Bon, j'ai du mal à prendre la vitesse là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais... pas serein du tout. Ah, là ça va un peu mieux. C'est pas levé là-bas, tout petit peu, juste pour faire beau. Et là, ça va mieux cette partie-là. Je me sens plus à l'aise. Moins de pierres roulantes. Et du coup, tu prends plus de vitesse et ça te donne un petit peu plus les défauts. C'est flagrant. De toute façon, c'est comme ça. Au plus t'as de vitesse, au plus ça te donne les défauts, mais il faut arriver à l'avoir. Allez, ça va. Et ça. Ça va nous descendre, redescendre sur l'église Saint-Philomène. Donc ça c'est le single en fait que j'ai pas voulu faire remonter tout à l'heure. Tu fais tout à pied sur vélo pour arriver à prendre les virages en montée et tout ça, c'est la merde. Oh, je suis pas tombé, je me suis rattrapé avec le pied. Ça, les virages, putain, ça fait chier. J'ai toujours du mal. Les virages à l'épingle. Je nocturne pas, moi. Oh, le mieux c'est par la route. Ouais. Non, parce que tu montes à pied là. Allez. Ah, pour finir la sortie, c'est du caviar. C'est bim, c'est dans la boîte. Allez, on lâche les boîtes sur la dernière. C'est fini.
il n'y a plus qu'à regagner les voitures. Gabi, qu'est-ce que t'en penses? Au top pour un final. Oh, putain. Belle sortie. Ouais, fait du bien. Ah. Bon, ben, vous avez vu, on a fini avec une descente bien technique, un régal. Eh ben, on aura fait en bas de cette descente 21 km pour 820 mètres de dénivelé. Et comme vous avez vu, pas comme la semaine dernière, là, par contre, ça a été sur des grosses montées bien techniques, casse-pattes, bien quart de l'eau, donc c'est une autre affaire. Mais tout a été fait. Il ne nous reste plus qu'à regagner les voitures, on a quoi, un petit kilomètre à faire. Et puis voilà, on a fini cette vraiment belle sortie avec des descentes dantesques encore. On s'est vraiment, vraiment régalé. Voilà, on a fini à 4, les autres, ils sont allés faire un petit tour supplémentaire, une petite boucle, et nous, on y va. Allez, je vous dis à ciao tout le monde, à la prochaine.